There's a new movie that really cuts to the heart of an American crisis, Boys in the Hood. It is an important movie. This movie was written and directed by a young black man who is only 23 years old. He's with us today. Welcome, John Singleton. You say, we were talking about this just briefly, John, at the beginning of the film, before there's really any opening credits or anything, the title comes up and it says, one out of 17 black American males will be murdered each year, and most of them at the hands of another black male. Is that why you did the film? Yeah, actually. I did the film actually to show how the difference between what a responsible, you know, open-minded black man would do in raising his son. And so I could contrast that to the way, you know, his son's two friends would be raised just by their mother. Mm-hmm. Is the story that you told in Boys in the Hood your own story? The story of Boys in the Hood is just a catalyst for me when I went to live with my father. Mm-hmm. I went to live with my father when I was 12 years old. My father whipped me into shape, mm-hmm. you know, straight up, yeah. you know. And we need more brothers that, you know, if they're going to have a child, they have to look out for the well-being of their children. Hello tout le monde, ici Michael Rahman, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau vlog à Los Angeles, en Californie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Comme vous pouvez le constater, là je suis dans un endroit un peu particulier. Donc en fait aujourd'hui je vous emmène dans l'USC School of Cinematic Arts. Donc il s'agit d'une école de cinéma qui est dans l'université de la Caroline du Nord, de la Californie. Donc aujourd'hui on va parler cinéma et plus particulièrement on va parler de John Singleton, qui est un réalisateur afro-américain qui a grandi dans South Central et qui a également fait ses armes dans cette école. Donc il s'agit de l'école la plus ancienne, l'école de cinéma la plus ancienne des États-Unis, et c'est aussi l'école la plus réputée des États-Unis et du monde. Ça veut dire qu'il y a des milliers de personnes qui rêvent d'étudier dans cette école. Donc comme vous pouvez le constater en fait ici, donc on a une statue ici d'un acteur je crois, et là on a le Steven Spielberg Building, et juste à côté on a le George Lucas Building. Donc ça veut dire que c'est deux réalisateurs dans les années, c'est des réalisateurs du nouvel Hollywood dans les années 70 avec George Lucas, son film THX 1138 plus Star Wars, et Steven Spielberg avec E.T., Rencontre avec le troisième type, Duel et puis tous les autres. Hein. Donc c'est deux grands réalisateurs qui sont d'ailleurs au passage les réalisateurs les plus riches, qui sont milliardaires en fait. Ils ont acheté ces buildings là pour leur poser leur nom et ils ont aussi financé la création de ces buildings. Donc John Singleton, ce réalisateur-là, nous a malheureusement quitté cette année 2019 au même titre que le rappeur Nipsey Hussle. Donc le point commun qu'il y avait entre Nipsey Hussle et John Singleton, c'est que les deux, ils ont grandi dans le sud de Los Angeles, donc dans les ghettos du South Central, et les deux étaient extrêmement engagés pour la communauté afro-américaine. Donc Nipsey Hussle avec The Marathon Clothing, tous les albums, les mixtapes indépendants qu'il a sortis avant de signer en major et de sortir son album Victory Lab, et tous les projets qu'il voulait mettre en place avec tous ces jeunes du quartier de South Central qui voulaient faire travailler dans la Silicon Valley, dans tout ce qui est Facebook, Google et tout ça. Donc ça, c'est Nipsey Hussle. Et John Singleton, lui, c'était vraiment la partie cinématographique. Donc il y a un film décisif de John Singleton qui est sorti en 1991 qui s'appelle Boys in the Hood. Je vous fais un peu le tour en même temps. Donc Boys in the Hood qui est sorti en 1991 avec Ice Cube, Cuba Gooding Jr., Lawrence Fishburne. C'est un film qui représente beaucoup pour le hip-hop, également pour moi, parce qu'en fait, Boys in the Hood, c'est le premier film. En fait, quand le film, moi je le vois, c'est au moment où je commençais à être vraiment curieux des États-Unis, de Los Angeles, du hip-hop. Et c'est un film qui a contribué à façonner en fait mon image que j'avais des États-Unis. Ce fantasme des quartiers de Los Angeles, donc les pavillons, les lowriders, la musique et puis surtout la violence qui gangrénait ces villes-là avec les gangs. Donc malheureusement, je ne peux pas rester très longtemps dans cette école. Je vous balance des images de l'intérieur parce que là, actuellement, je pense que les étudiants sont tous en vacances. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Donc j'ai pu rentrer dans les locaux et voilà, visiter quelques lieux de cette école, quelques endroits spécifiques. Donc c'est super intéressant. Donc je suis vraiment content et c'est vraiment un honneur pour moi d'être dans cette, de me balader dans cette école. Donc malheureusement, on ne peut pas faire la vidéo ici parce que je dois prendre mon Uber et je dois rentrer parce que je dois faire le check-out de mon Airbnb. Donc on se retrouve
vers Santa Monica à la plage, et je vais vraiment vous parler de John Singleton. Je vais rendre hommage à ce grand réalisateur, et pour Nipsey Hussle, je ferai une vidéo un peu plus tard parce qu'il y a énormément de choses que j'aimerais dire sur ce rappeur par rapport à sa carrière, tout ce qu'il a fait en fait pour la communauté. Donc là, je vais rentrer dans mon Airbnb, on se retrouve à la plage. Allez, ciao. Donc comme prévu, on est de retour à Los Angeles, à Santa Monica. Et là, je vous emmène juste à côté de la mer, l'océan Pacifique. Vous pouvez constater voilà, la beauté de ce paysage. Donc là, on fait un peu mon petit guide touristique. Là, on a l'océan Pacifique, il y a pas mal de vagues. L'eau est un peu froide, donc c'est un peu compliqué de nager dedans, mais c'est quand même possible. Il y a pas mal de surfeurs. Et là, en ce moment, il y a des sessions d'entraînement de surfing. C'est certaines personnes qui donnent des cours de surf. Juste à côté, tout là-bas, ce que vous pouvez voir en fait, c'est Santa Monica, donc le pire, c'est là où il y a les attractions, la grande roue, plus tous les petits restaurants, fast-food et les jeux. C'est un peu une foire en fait à Santa Monica, et puis du coup ça mène vers le downtown de Santa Monica. Juste derrière, si vous voulez, c'est que là on est vraiment sur la partie ouest de Los Angeles, vraiment qui donne sur l'océan Pacifique. On n'est pas très loin de l'aéroport LAX. Et en fait, on a tout un ensemble de plages. Donc, on a Malibu. Plus vous descendez, plus vous arrivez vers Santa Monica. Puis après, vous descendez, vous arrivez vers Venice, Venice Beach. Et puis, si vous descendez, vous arrivez à Manhattan Beach. Et si vous continuez à allonger tout le tour, vous serez à Long Beach. Donc, moi, j'ai pas eu l'occasion de faire du vélo de Santa Monica jusqu'à Manhattan Beach. Mais bon, j'en ai quand même fait un petit peu. C'est un peu cher le vélo ici. Mais je pense que j'ai pris un attrape-touriste où c'était genre 10 $ l'heure. Mais je pense qu'il y avait moyen de trouver moins cher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'était la fin de la journée. J'avais juste envie de faire un peu de vélo. Et après, si vous continuez à longer sur Santa Monica à vélo, à pied ou en jogging, donc vous allez arriver en fait vers Venice Beach qui se trouve là-bas. Et à Venise, il y a vraiment tout ce qui est, il y a les skateurs, les artistes, pas mal de restaurants, des bars également. Et Venise, la particularité aussi, c'est qu'il y a pas mal de sans-abri et des personnes du coup locales qui, voilà, qui prennent de la drogue, qui peuvent être un peu violents le soir. Donc c'est très déconseillé de marcher dans Venice Beach à partir de 20h30, 21h, lorsque c'est la tombée de la nuit, enfin juste après le coucher du soleil, parce que là, il y a tous les touristes qui partent, il y a des policiers qui patrouillent et qui demandent aux gens de quitter les lieux parce qu'il y a des drogués, il y a des SDF et des personnes peu recommandables. Donc, on va passer un bon moment à mes côtés à Los Angeles. On va parler donc de John Singleton, mais juste avant de vous parler de ce réalisateur, des films qui ont réellement impacté ma vision du hip-hop des États-Unis en général, je vais faire un retour en fait sur le passage où je suis passé de l'USC School of Cinema, je ne sais plus le nom en tête exact, Cinematic Arts, voilà, et le moment où je suis allé dans mon Airbnb. En fait, si vous voulez, je me suis retrouvé dans un lift où il y avait une femme, peut-être d'une soixantaine d'années à peu près, qui était du coup le lift en question qui m'a amené jusqu'au Airbnb, et on a papoté. On a discuté du coup sur... parce que cette personne est née à Los Angeles, a grandi à Los Angeles, a vécu toute sa vie à Los Angeles, a vu ses enfants à Los Angeles, etc. Et du coup, j'en ai profité pour lui poser des questions sur la ville, hein, de Los Angeles, qu'elle pensait de l'évolution de la ville. Donc elle m'expliquait qu'elle est originaire de South Central et qu'elle habite toujours dans South Central. Elle avait un petit peu déménagé. Elle m'explique que vraiment, il y a eu un grand changement entre le Los Angeles que l'on connaît maintenant en 2019 et le Los Angeles qu'elle a connu lorsqu'elle était encore vie de jeune adulte, trentaine d'années. Donc là, on est en 1985 à peu près, entre 85 et 90. C'est vraiment le moment où il y a l'épidémie de crack qui commence au début des années 80, il y a les histoires de gangs qui commencent au milieu des années 70, et surtout on se rapproche vraiment des différents riots, donc les émeutes de Watts en 92 par rapport à Rodney King. Donc à ce moment-là, en fait, Los Angeles, South Central et surtout Crenshaw, parce qu'elle venait de Crenshaw, elle me dit que Crenshaw Boulevard, c'était un boulevard où il y avait tous les jeunes qui venaient pour faire la fête, qui sortaient les lowriders tous les vendredis soirs, tous les week-ends pour faire la fête, pour boire de l'alcool, fumer et aller en boîte, enfin bref, faire un peu le bordel quoi. Donc elle m'a dit que c'était vraiment une atmosphère particulière, mais c'était fun, les gens s'amusaient et en même temps c'était vraiment l'essor des gangs. C'est les gangs commençaient à se mettre en place et le problème aussi, ce qu'elle m'a dit, c'est que
Il y a eu les histoires de bavures policières et ce qu'elle m'expliquait, c'est que la LAPD, donc Los Angeles Police Department, c'est en fait la particularité de ces policiers-là, c'est qu'ils ont une très mauvaise réputation aux États-Unis. Il y a eu une affaire Rampart Case, quelque chose comme ça, à confirmer pour le nom. Je me suis un peu documenté, mais je ne suis pas rentré dans le sujet parce que je viens de découvrir ça. C'est une affaire où il y a eu des policiers qui ont corrompu, qui avaient des histoires de trafic, d'armes, de drogue, de prostitution et même des lynchages. Ils ont agressé des noirs pour rien et tout. Et du coup, la LAPD a une très mauvaise réputation. Et quand elle m'a dit ça, j'arrivais complètement à resituer le film. Et là, on va basculer maintenant sur John Singleton. Le film de John Singleton, Boys in the Wood, qui sort en 91, il vous montre ce que South Central, c'était à cette époque. Donc, comme je vous l'ai dit, Crenshaw Boulevard, il y a les Lowriders, notamment une scène du film où il y a Cuba Gooding Jr., Ice Cube, et puis Ricky, là, je ne sais plus quel est le nom de l'acteur. Et ils vont faire la fête et tout ça. Et puis, il y a une fusillade qui a lieu parce que, il y a le Renoir là qui tire en l'air pour leur faire peur. Mais globalement, c'est ça l'idée en fait. C'est que Crenshaw Boulevard, à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, c'était la fiesta partout. Et c'était essentiellement un quartier vraiment d'afro-américain. Maintenant, c'est totalement différent. C'est toujours un quartier à majorité afro-américaine, mais ils ont transformé en fait ce boulevard et même South Central, la majeure partie des villes. Il y a beaucoup moins de gangs, beaucoup moins d'activités de gangs, même s'il y en a toujours. On a vu la conséquence de la mort de Nipsey Hussle, malheureusement, mais globalement, en fait, il y a beaucoup plus de policiers aussi. Et ce qu'elle me disait, c'était que la LAPD, en fait, ici, c'est un peu considéré comme un espèce de gang à part entière, au même titre que les Crips et les Bloods. Ça veut dire que typiquement, les policiers ont exactement les mêmes affaires que les gangs, en fait. C'est exactement la même chose. C'est juste que eux, là, malheureusement, ils ont des droits et ils peuvent avoir des armes, ils peuvent tirer. Enfin bref, c'est toute une histoire. Mais en gros, j'ai réussi totalement à resituer, à placer Boys in the Hood sur le contexte, enfin sur le moment. Donc du coup, je lui ai parlé de John Singleton. Elle m'a dit, bah oui, John Singleton, son film, il a marqué toute une génération. Puis après, on a parlé même de Gangsta Rap. Elle me disait, elle connaissait Dr. Dre, son fils jouait au basket avec Snoop Dogg, elle connaissait Tone Loc, elle connaissait Warren G, enfin bref, plein de rappeurs à l'époque quand ils n'étaient pas encore très connus. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais la manière dont cette dame, elle racontait, parce qu'elle a l'âge de Dr. Dre, elle a 55 ans, comme ça, donc la manière dont elle le raconte, tu sens vraiment qu'elle a vécu toutes ces choses et que tout ce que moi je voyais dans Boys in the Hood, finalement, ça reflétait une certaine forme de réalité en fait. Donc du coup, on va maintenant parler de John Singleton. Donc avant de faire un retour, très bref retour sur la carrière de John Singleton, je vous parle du coup du film Boys in the Hood, quand je le découvre. Donc le film sort en 1991, et moi, je le découvre à peu près, je le découvre aux années 2004 à peu près, Boys in the Hood. En fait, quand je découvre Boys in the Hood, c'était vraiment le moment où je commençais à m'intéresser au hip-hop, au gangsta rap et tout ça. Et du coup, dans Boys in the Hood, en fait, tu vois tout de suite la fascination pour les histoires de gangs. C'est une image de Los Angeles qui est décrite dans ce film qui est assez particulière. Et dans le même temps aussi, il y avait d'autres films de gangs que je commençais à connaître, notamment Spoof Movie. Bon, c'est un exemple, c'est plus un film de comédie, mais Spoof Movie, c'est un peu un film qui m'a permis de m'introduire à ces histoires de gang à Los Angeles. Et dans Boys in the Hood, ce film, pourquoi est-ce qu'il représente beaucoup? C'est parce que déjà il est très violent, mais en même temps c'est une réalité hein, que le film cherche à décrire. Et en même temps, je trouve que le film rend... c'est pas un film manichéen où un tel sont gentils, un tel sont méchants. En fait, dans le film, ça dit très clairement au sein des Noirs, des Afro-Américains, il y a malheureusement des problèmes de Noirs qui s'entretuent entre eux. Et c'est ça la finalité du truc, tu vois, c'est qu'ils ont tous grandi dans un environnement rempli de drogue, d'armes, de sexe et tout ça. Donc forcément, quand tu grandis dans ce genre d'environnement, quel est l'échappatoire possible? Donc là, on commence à parler aussi du fait que la seule possibilité pour les Noirs de réussir, ce serait de faire du sport, tu vois. Ce qui est un peu injuste en un sens, quoi. Je vais changer un petit peu de spot parce qu'il y a beaucoup trop de monde et c'est pas très pratique pour parler. Attendez, on se retrouve, je vais chercher un autre endroit parce que... Yo, donc retour sur un endroit un peu plus posé. Donc là, je suis vraiment sur
voilà, sur le sable, on est tranquille, on va pouvoir poser et parler tranquillement de John Singleton. Donc, je vous parlais de Boys in the Hood, donc ce film, lorsqu'il sort en 1991, il alerte les esprits de beaucoup de personnes, et John Singleton, à ce moment-là, il est encore tout jeune, il a genre 24 ans, et il devient en fait le plus jeune réalisateur à avoir obtenu une nomination aux Academy Awards, donc aux Oscars en fait. Déjà, d'une, c'est le plus jeune, et de deux, c'est le premier Afro-Américain à avoir obtenu cette nomination. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on se dit John Singleton, c'est quand même un réalisateur très talentueux. Et ce qui est bien, c'est que son film respire vraiment l'authenticité. C'est-à-dire que ce qu'il filme, les personnages qu'il filme, le scénario, l'atmosphère de Los Angeles et de South Central, Crenshaw, que John Singleton a réussi à nous montrer à l'écran, c'était vraiment l'atmosphère vraie. C'est-à-dire qu'en 1991, lorsque le film sort, si vous allez à Crenshaw, c'est pas très différent de ce que vous voyez dans le film. C'est une approche très documentaire en fait du film, que beaucoup d'Afro-Américains pouvaient du coup se voir hein, dans ces différents personnages. Donc Boys in the Hood, vraiment, moi je le vois, je suis encore tout jeune, et à l'époque, pour la petite anecdote, ce film passait sur RTL 9, donc c'était les séances de 22h50 en plus, c'est pas le film qui passe à 20h, ils le respectaient pas, et il y avait plein d'autres de Hood movies comme ça qui passaient sur RTL 9 à B1. Je vous parlerai plus tard dans la vidéo des autres films qui parlaient de ghetto aux États-Unis que j'ai vu qui passaient à la télé. Mais Boys in the Hood a vraiment contribué à façonner cette image que plus tard je me suis donné de Los Angeles. Et après, avec les jeux GTA San Andreas et GTA V, ça a clairement redéfini en fait ma manière de voir les choses à Los Angeles. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici la première fois en 2016 pour les vacances avec mes parents, mes parents ils m'ont dit « mais c'est comme si tu as toujours connu cette ville ». C'est normal parce que toute ma vie, j'ai passé mon temps en fait à regarder les clips de gangsta rappeurs de la West Coast, les films de John Singleton, plus tous les autres films qui parlaient de Hood. Et puis après, il y a les jeux, GTA San Andreas et GTA V, tu as toute une map. Donc la ville fictive de Los Santos, qui représente la ville de Los Angeles, t'as cette map où tu peux te balader où tu veux, et t'as tous les lieux mythiques de Los Angeles qui sont représentés. Donc Santa Monica, Venice Beach, le Downtown, Hollywood, Beverly Hills, Long Beach, tous ces coins-là, dans les jeux, ils étaient représentés avec des noms, avec des faux noms, pour pas avoir de problème, je pense, de Rockstar. Donc voilà, Boys in the Hood, pour ceux qui l'ont pas encore vu, courez le voir, c'est vraiment un très bon film. Pour la petite anecdote aussi, j'étais parti le voir avec une amie la semaine dernière dans une séance à New York, c'était à Brooklyn, dans un parc qui s'appelle le Prospect Park, et du coup il y avait une projection gratuite du film dans ce très bon parc de Brooklyn qui ressemble un peu à Central Park mais en plus petit, et c'était pour en fait c'était dans le cadre du Hip Hop Film Festival. Donc c'est un festival qui aura lieu là dans quelques jours, le 1er août, du 1er au 4 août il me semble, à New York, à Harlem, et c'est un festival du coup qui met en lumière les cinéastes qui filment, qui parlent de hip hop, de ghetto, de la vie des Afro-Américains, ou pas forcément des Afro-Américains, mais en gros des films qui mélangent à la fois le cinéma et la musique hip hop. Autant dire que c'est le festival parfait pour moi, donc je vais voir si je peux y aller. Mais toujours sur John Singleton du coup, je vais faire un retour sur très bref sur la vie de John Singleton. Donc lui, il est né en 1968, donc comme Ice Cube, et il meurt malheureusement en 2019 d'une maladie. Et en fait, John Singleton, lui, il grandit à Crenshaw, dans un environnement très 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 ghetto, très gangsta, mais lui kiffe le cinéma, et du coup il va faire ses études, il va faire ses armes dans le USC School of Cinematic Arts, et c'est dans le USC, dans cette école du coup, où il va être diplômé, et il va très rapidement tourner Boys in the Hood, avoir tout le succès qu'on lui connaît au box-office et recevoir cette nomination aux Oscars. Juste après Boys in the Hood, du coup, il va rester dans les thématiques qui lui sont chères, donc à savoir la vie des Afro-Américains dans South Central. Et là, il va tourner le film Poetic Justice qui sort en 1994, qui met en scène Janet Jackson, donc la sœur de Michael Jackson, qui à cette époque était à son apogée en termes de succès critique de la part des auditeurs de R&B, pop, New Jack Swing. Donc du coup, dans ce film, il y avait aussi Tupac, qui jouait le personnage secondaire de Poetic Justice. Et le film, lorsqu'il est sorti, les gens ont vraiment kiffé l'alchimie qu'il y avait entre Janet Jackson et Tupac tout au long du film. Et les gens appréciaient aussi le fait que John Singleton ait une approche différente de Boys in the Hood pour son film. Donc, c'est toujours un film engagé, sauf que cette fois-ci, on va plus... La première scène du film, ça pourrait être si on avait en fait un espèce de John Singleton Cinematic Universe,
Boys in the Hood, Poetic Justice, Higher Learning et Baby Boy, qui sort plusieurs années après, peuvent faire partie d'un seul et même univers de John Singleton. Donc Poetic Justice est plus une comédie romantique en fait, mais toujours très réaliste dans sa manière de voir les choses. Donc après Poetic Justice, que je découvre après Boys in the Hood, il sort le film Higher Learning, où là le film va se passer dans l'université, enfin c'est un environnement académique, donc c'est une université fictive qui s'appelle le Columbus University. Et là il reprend des acteurs récurrents de sa filmographie, à savoir Lawrence Fishburne ou encore Ice Cube, le rappeur, et également il y avait une actrice là, je sais plus comment elle s'appelle, hein. Je mettrai sa photo ici, qui a joué à la fois dans Boys in the Hood et dans Poetic Justice, qui rejoue du coup dans ce film. Et il y a également Michael Rapaport, qui est un acteur qui est très proche de l'environnement hip-hop, qui là pour le coup joue un étudiant très frustré qui finit par devenir raciste parce qu'il en a marre de son coloc noir qui fout la merde, et en fait il va rejoindre un groupuscule de racistes et il va commettre l'irréparable. Le film à sa sortie a reçu des réactions plutôt négatives parce que les journalistes ont reproché à John Singleton d'avoir une approche trop basée sur des clichés en fait, plus que sur de la réalité. Et dans ce film, il accentue vraiment les clichés qu'il y a, les communautés entre elles qui se font la guerre, les histoires de racisme et tout ça. Mais bon, Higher Learning, moi je l'ai vu, je vais pas vous mentir, en fait je l'ai vu dans l'avion pour partir de New York jusqu'à Los Angeles. Et bon, dans le film, il y a pas mal de scènes qui sont un peu violentes, et j'étais un peu mal à l'aise dans l'avion parce qu'il y avait des gens qui regardaient du coup l'écran en même temps que moi. Donc Higher Learning, bon, c'était quand même sympa. Et après, il va sortir le film Baby Boy au début des années 2000 avec Tyrese Gibson, Snoop Dogg et la fille là qui joue dans Empire. Un Baby Boy aussi, un très bon film, et là il va renouer du coup avec une partie plus réaliste où là il va rentrer dans les méandres de l'attitude afro-américaine un peu macho qui trompe sa copine et tout ça. Et Baby Boy, j'aime bien, c'est un film à la fois drôle et à la fois dramatique en fait. Et après, dans les autres films de sa filmographie, John Singleton, il va plus approcher d'autres genres, le genre historique avec son film, c'était quoi déjà, celui qui était sorti en 97, j'ai pas vu ce film, c'est pour ça que le titre m'échappe, Rosewood, un truc comme ça. Et ensuite il avait fait Shaft, l'adaptation de la Blaxploitation, avec dans le rôle principal Samuel L. Jackson. Puis après il va faire Four Brothers, où il va reprendre les acteurs, il va reprendre Tyrese Gibson, qui a aussi joué dans Too Fast, Too Furious, qui est réalisé par lui-même. Et après il a réalisé un dernier film au début des années 2010. Enfin bref, on va dire que la carrière de John Singleton, au niveau des films, il n'a pas fait que des bons films, il en a fait d'autres qui sont voilà, bof, mais même si Too Fast, Too Furious, moi, quand je l'ai vu à l'époque, moi je kiffais, tu vois. Mais bon. Et ensuite, il va avoir d'autres activités, il va notamment réaliser un épisode de la série qui parlait de l'affaire O.J. Simpson. Je crois que c'est le cinquième épisode où il a même obtenu une nomination pour son épisode qu'il a réalisé. Et puis, il va participer à la création de la série Snowfall, qui est disponible sur Amazon Prime, qui a été renouvelé là pour une troisième saison, qui parle de cette époque de Los Angeles au début des années 80, où on avait l'épidémie de crack qui commençait à rentrer de plus en plus dans la ville de Los Angeles. Et du coup, il y a eu les deals, les affaires de gang. C'est une période de Los Angeles très sombre que John Singleton et les autres créateurs de la série ont voulu recréer. Et la série marche plutôt bien. Je ne l'ai pas encore regardée, donc dans les commentaires, dites-moi si c'est une bonne série ou pas. Donc voilà pour la carrière de John Singleton, qui nous quitte et qui laisse vraiment un héritage assez important, parce que quand Boys in the Hood sort, il y a Menace to Society qui sort peu après, il y a South Central qui sort, bon, Colors était sorti avant, mais c'était une autre manière de raconter la vie à Los Angeles, mais c'était déjà très axé sur le lien qu'il y avait entre il y avait les gangs, et surtout comment est-ce que la police de Los Angeles faisait pour se charger de ces histoires de gang. Et derrière, il y a eu d'autres films, il y a eu Friday, réalisé par F. Gary Gray, qui a été écrit par Ice Cube. Et pour la petite anecdote, John Singleton, c'est lui qui a dit à Ice Cube pendant le tournage de Boys in the Hood qu'il devrait envisager très sérieusement à écrire des films. Parce qu'il dit, t'as des talents d'écriture, quand je vois les textes que t'écris pour tes albums, pour NWA, tu devrais essayer d'écrire un film. Et du coup, Ice Cube, il a sorti le film Friday avec Chris Tucker, qui est un film culte que même Tarantino a classé dans sa liste des meilleurs films sortis entre 92 et je sais plus 2010, un truc comme ça.
ou Friday, une très bonne comédie. Et Friday fait aussi partie de ces hood movies que je découvre et qui contribuent du coup à me donner ce fantasme en fait de Los Angeles. Et en plus, vu que Friday c'est une comédie moins parodique, enfin c'est même pas parodique du tout, hein, comparé à Spoof Movie par exemple, vraiment Friday c'est un film super drôle et ça montre vraiment toutes ces galères que les Afro-Américains ils ont, pas de travail, pas de meuf, passent leur journée à prendre de la drogue, mais en même temps c'est des petits gentils, ils font pas partie des gangs, enfin bref. Friday, très très bon film, et tous ces films, hein, vraiment, ça fait partie de l'héritage de John Singleton. Il a réussi à trouver en fait la meilleure manière possible pour filmer les quartiers de Los Angeles, et ça on a fait tout un ensemble de films qui même maintenant bah, continuent à être, quand vous voyez par exemple le film Dope, qui du coup, d'ailleurs dans le film Dope, il y a un petit rôle pour Asap Rocky, une pensée à Asap Rocky qui est actuellement en prison en Suède et qui risque de rester un peu plus longtemps, donc force à lui pour ce qui lui arrive. Mais en gros, quand vous voyez le film Dope, c'est très clairement un petit-fils de Boys in the Hood, hein, Dope. Hein. Donc voilà pour John Singleton. Maintenant, pour l'influence que John Singleton a eue sur moi, déjà, ça a accompagné, ça m'a permis de d'étendre ma culture musicale, ou du moins ma culture du gangsta rap. Donc c'est avec Boys in the Hood que j'ai découvert déjà Ice Cube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis même avec, bon, c'est plus Menace to Society, mais c'est des groupes comme Compton's Most Wanted avec MC8, NWA, tous ces groupes et tous ces rappeurs, c'est vraiment grâce au film de Boys in the Hood aussi que je m'intéresse à eux, en écoutant la soundtrack. Donc au-delà de la musique, il y a aussi les vêtements. Donc dans Boys in the Hood, ils mettent pas forcément des Dickies, tu vois, mais c'est vrai que les Dickies que Ice Cube porte, Ice Cube, The Game et beaucoup d'autres rappeurs de Los Angeles, les Dickies, chemise, pantalon noir avec les Converse, je vous dis, j'étais le seul de mon collège et le seul de mon lycée à les porter à l'époque. Donc vous voyez à quel point je vous balance des photos de moi en Dickies au passage. Donc moi je kiffais ces habits, j'avais pas les Converse malheureusement, je sais pas pourquoi, j'osais pas les mettre et j'aurais dû, je regrette. Je mettais mes Dickies avec des Air Force One, c'était assez original. Il y a aussi les bandanas, hein, bandana rouge, bandana bleu. J'ai toujours mis des bandanas rouges par rapport à The Game. Donc moi j'étais plus Blood que Crips. Ici il faut éviter de mettre les bandanas pour pas se faire tirer dessus ou pour pas se faire contrôler par la police. À côté de cela, bon, normalement il y a les tatouages, mais moi je me suis pas fait tatouer, je suis pas trop intéressé par ça. Mais c'est vrai qu'ici il y a vraiment une culture du tatouage, et moi je le constate lorsque je vois les Afro-Américains que je rencontre dans le métro, dans la rue, en centre commercial, etc. Ils ont tous des tatouages, vraiment des tatouages qui peuvent aller d'une simple référence ou une simple phrase type Only God Can Judge Me à carrément la photo d'une célébrité, de Malcolm X, des rappeurs. Regardez The Game, le nombre de tatouages qu'il a, il s'est mis LASI, après il s'est mis une larme, il s'est mis un papillon, enfin bref, ils ont vraiment une culture des tatouages. Moi j'étais plus piercing, enfin je me suis juste fait percer les deux oreilles, mais du coup ça fait aussi partie un peu de... Il n'y a pas que Boys in the Hood, hein, mais je dis que voilà, dans Boys in the Hood, vous avez vraiment tous ces éléments. Et puis même au niveau des lieux cultes, hein, type les liquor stores, on le voit avec l'introduction du film Menace to Society. Là, c'est deux mecs, enfin les deux personnages principaux, enfin le personnage principal et l'autre, j'ai plus les noms en tête, ils rentrent dans ce liquor store qui est tenu par des Vietnamiens, et après le Vietnamien qui insulte sa mère, et c'est... T'as dit quoi sur ma mère, qui a été parodié par Spoof Movie, trop marrant. Liquor store, le lowrider, toujours rêvé d'être dans ces grosses Cadillacs qui bougent dans tous les sens et tout. Donc voilà, il y a une grosse influence, et Boys in the Hood derrière aussi, ben, il a été référencé par GTA San Andreas. Très clairement, GTA San Andreas, tout le jeu en fait, c'est Boys in the Hood. À la différence que dans GTA San Andreas, on est plus vraiment sur l'aspect gang, alors que Boys in the Hood, c'est finalement, ça met en scène, enfin les personnages principaux font pas partie de gang. Hein. Même Ice Cube qui fait son mec dur dans le film, il fait pas partie d'un gang à proprement dit. Mais du coup, ouais, GTA San Andreas. Là, on va faire un focus sur ce jeu. Donc, pour la petite anecdote, moi, j'ai acheté, enfin, mes parents m'ont acheté GTA San Andreas pour. C'était en 2004, donc j'avais 14 ans. Et c'était pour Noël, et je m'étais acheté la PS2 Slim. Donc, à l'époque, ma grosse PS2, en fait, avait pété. Du coup, mes parents, ils m'avaient acheté la petite PS2 Slim qui est sortée. Je crois à l'époque ça avait coûté genre 250 euros, un truc comme ça. Je me rappelle, la boîte elle était jaune, et je leur avais demandé de m'acheter GTA San Andreas. Et ils m'ont dit, bon, ils ont réussi à acheter le jeu, mais sur GTA San Andreas il y avait fait 18+. En fait, le mec de Micromania leur avait demandé, voilà, votre fils il a quel âge? Ils ont dit, ouais, il a 14 ans. Et il a dit, bon, regardez, ce jeu il est interdit au moins 18 ans, et dedans ça parle de
de violence, de guns, de drogue, de sexe et tout ça. Les parents, ils ont dit, bon, on lui fait confiance, hein, notre fils, on l'a bien éduqué, donc normalement, il devrait pas être influencé. Et forcément, je suis pas devenu un gangster et j'ai plutôt bien fini, donc vous voyez bien que ça dépend, encore une fois, ça dépend de l'environnement. Et pour faire le parallèle aussi avec ce que disait la personne qui m'a conduit dans mon Airbnb en Lyft, je lui avais demandé ce qu'elle pensait en fait du gangsta rap et de l'influence que cette musique pouvait avoir sur les jeunes. Donc elle m'a dit ça dépend vraiment du background, du passé, de l'histoire de l'enfant en question. Si l'enfant a grandi dans un environnement où les parents sont stables, il n'y a pas de divorce, des parents qui sont présents pour leur éducation, pour leur aider à faire les devoirs et tout ça, et des parents qui sont surtout là pour leur dire sors pas trop tard avec tes amis et fais attention avec qui tu traînes. Logiquement, s'il écoute un morceau de Eazy-E, c'est comme s'il regardait le film Scarface. Donc, ça reste du divertissement. Par contre, si l'enfant en question grandit dans un environnement où les deux parents font partie de gangs, parce qu'il y a aussi même les mères de famille hein, peuvent faire partie, c'est pas que les hommes, hein. Si les deux parents font partie d'un gang, que ce soit les Crips ou les Bloods, et si aussi il passe son temps dehors et qu'il veut lâcher les études, soit pour faire du rap, soit pour vendre de la drogue ou faire partie d'un gang, forcément la musique, les musiques de NWA, voilà quoi, c'est forcément les musiques de NWA, Ice-T et les autres, ça va l'influencer en mal. Il va vouloir mener une vie de gangster et au final périr des mains d'un autre noir pour rien, pour une histoire de merde quoi. Donc voilà pour ça, et GTA du coup forcément. Pour basculer sur GTA San Andreas, si vous jouez à ce jeu et que vous grandissez dans cet environnement, donc vous vous dites c'est un bon défouloir, c'est fun d'avoir son propre gang, son propre territoire que tu marques en faisant des graffitis, mais derrière lorsque tu sors et que tu te dis j'ai une arme, j'ai la voiture, je veux braquer cette épicerie, je veux être le gangster celui qui fait le plus flipper de la cité, je veux être un genre de Suge Knight, bah je peux le faire. Et bah du coup c'est ça un peu le problème aussi. Passer cette petite pause engagée, donc il y a eu GTA San Andreas et puis derrière il y a eu GTA 5, et dans GTA 5 du coup on sort des histoires de gang, et finalement ce qu'on pourrait dire aussi c'est que GTA 5 est très révélateur de la transformation de Los Angeles, hein. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a toujours eu l'essor des films. Et là, on a toutes les séries B, les films d'action, Steven Seagal, Bruce Willis et compagnie, Stallone, Schwarzenegger. Mais on a toujours ces histoires de... Enfin, on a du coup ces histoires de gang. Mais en 2013, on a une population de Los Angeles qui est très différente, qui est plus... il y a un melting pot plus important. Et surtout, la ville de Los Angeles est plus chère. Donc du coup, il y a les cinéastes de Hollywood, mais il y a aussi des promoteurs immobiliers qui viennent de je sais pas où... qui traverse le pays pour venir aux États-Unis, enfin à Los Angeles, pardon, et du coup, GTA 5 avec ces trois personnages-là, Michael, Lamar et. Non, c'est pas Lamar, c'est. Je sais plus comment il s'appelle l'autre, et. J'ai des trous de mémoire, mais bref, les trois personnages de GTA 5, quand vous les voyez, c'est chacun représente vraiment une partie de Los Angeles. Donc GTA 5 aussi, c'est un film qui fait partie de l'héritage de Boys in the Hood et qui a beaucoup influencé toute une génération de gamers et de passionnés de hip-hop et de cinéma. Donc voilà pour John Singleton. J'ai des sables dans les mains. Malheureusement, il nous a quittés et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il était jeune, il avait juste 51 ans et il a énormément contribué pour sa communauté avec ses films. Il a marqué toute une génération et mourir comme ça... C'est dommage, hein, c'est une mort naturelle, en tout cas c'est une mort d'une maladie. Il avait plein de projets en tête, il avait notamment ce projet de revenir sur le devant de la scène dans les films qui parlaient de Hood, parce qu'il avait fait cette interview sur Breakfast Club avec DJ Envy et Charlemagne the God, où les mecs ils disaient alors quand est-ce que tu nous sors un film comme à l'époque de Baby Boy, Poetic Justice, Boys in the Hood, I Love Learning. Il a dit vous inquiétez pas, je vais revenir. Avant de clore cette vidéo, parce que là je commence à fatiguer, j'ai super faim et on va basculer du coup à Beverly Hills. Juste avant de finir cette vidéo, du coup je tenais à parler de quoi. J'ai des trous de mémoire, hein. Je commence à être fatigué comme vous pouvez le constater. Voilà, oui, je tenais à parler du coup du fait que John Singleton, en fait, lorsqu'il réalisait ses films, il était tout jeune, il avait 24 ans, et les journalistes lui demandaient comment étaient les rappeurs pendant le tournage. Donc lui, il disait qu'il avait pas mal de mal avec Tupac sur le tournage de Poetic Justice,
Bon, il disait que parce que Tupac était un mec super talentueux, il voulait un peu faire tout en un laps de temps très court, et c'est pour ça que le mec il a réussi à tourner 5 films, en même temps il a enregistré 6 albums, il a enregistré je sais pas 300 000 morceaux le mec. Mais du coup il disait que Tupac c'était un mec un peu difficile, je pense qu'il devait débarquer pendant le tournage complètement bourré, défoncé, et c'est pour ça aussi qu'il s'était fait recaler du film Menace to Society. Et après il parlait aussi de Tyrese Gibson, il disait que Tyrese Gibson était un peu difficile puisque des fois il oubliait ses textes, mais globalement les tournages se passaient toujours bien parce qu'il disait que c'était ses potes, tu vois, c'était ses potes, et du coup c'était plus il les engueulait genre en mode putain mec t'as pas encore appris ton texte mais t'es con quoi, tu vois, c'était pas un truc genre sérieux, c'était jamais carré, et du coup c'est pour ça que John Singleton il avait une réelle proximité avec ses acteurs et que les acteurs se sentaient bien et qu'ils avaient pas de pression lors du tournage. Donc voilà pour parler de John Singleton. Enfin, sur les autres réalisateurs, il y a Spike Lee du coup qui a, comme John Singleton, voilà, un réalisateur qui a énormément contribué pour le cinéma qui parle des problématiques des Afro-Américains. Je vous invite du coup à regarder la vidéo que j'ai faite sur la block party de Spike Lee pour les 30 ans de Do The Right Thing. Et là, plus récemment, du coup, on a Ryan Coogler qui est originaire plus du nord de la Californie. Qui est surtout connu pour Creed et Black Panther avec Michael B. Jordan, mais il a surtout réalisé le film Fruitvale Station qui parle de l'arrestation de ces Noirs à Oakland, là, à côté de San Francisco, et malheureusement bah, y en a un qui est mort, enfin ils sont tous morts je crois par la police, et lui du coup il fait partie de ces fils spirituels de John Singleton, Ryan Coogler. Donc force à lui pour ses prochains films, et on ne peut pas finir cette vidéo sans parler du réalisateur de Get Out, quand même. J'ai un trou de mémoire sur le nom du mec qui a fait Jordan Peele. Ouf, j'allais réaliser un blasphème en oubliant le nom du réalisateur. Donc Jordan Peele avec Get Out et le film Us, qui auparavant était plus un comique en fait, il faisait pas mal de sketchs qui passaient sur Comedy Central et qui sont très drôles, hein. Le mec, aucune limite, hein, Jordan Peele et son pote là. Et du coup, lorsque vous voyez Get Out et Us, vous voyez vraiment que l'espoir pour moi du cinéma de genre américain et même du cinéma de genre en général, c'est vraiment Jordan Peele. Il réalise des films d'horreur qui en même temps ont des messages très explicites et qui passent pour le coup parce qu'il utilise la comédie et l'horreur, et c'est vraiment, il retourne aux sources des films des années 70-80 où on faisait pas des films d'horreur juste pour faire peur aux gens. Bon, certes il y avait les slashers qui commençaient à arriver avec Freddy Krueger et compagnie, Michael Myers, Ghostface, mais il y avait aussi surtout des films d'horreur plus profonds au niveau des personnages, au niveau de la tension, de l'atmosphère des films. C'était pas juste une succession de jumpscares, quoi. Donc voilà pour les autres réalisateurs. Donc je finis cette vidéo. Maintenant, on va partir à Hollywood pour parler de Tarantino. Donc dans quelques heures, demain plus précisément, je vais aller au New Beverly Cinema. Donc c'est la salle de cinéma qui appartient à Tarantino pour voir le film Once Upon a Time in Hollywood. Vous pouvez pas savoir à quel point la hype est à son maximum. Donc avant d'aller voir ce film, je vais faire une émission spéciale Tarantino où je vais revenir sur tous les films du réalisateur, sur pourquoi est-ce que Tarantino c'est mon réalisateur préféré. Donc stay tuned pour cette vidéo. Et puis voilà, repose en paix John Singleton, merci pour tout ce que tu as fait. Thanks for all the movies that you have done for the community. Je parle un peu en anglais. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour une vidéo à Los Angeles spéciale cinéma. C'était Michael Raman, peace.